Bonjour, nous voici arrivés au carré numéro 30. Pour ce carré, vous allez monter 57 mailles et faire 6 rangs droits pour votre bordure. Et on va attaquer le rang de préparation. Alors, le rang de préparation, notez-le bien. Ce rang de préparation sera exactement le même pour tous les rangs en vert. Vous ferez la même chose pour tous les rangs en vert. Donc, notez-le. Parce que moi, je ne les ferai pas au fur et à mesure. Hein. Alors, 5 mailles en droit pour votre bordure. 2 mailles en vert. 1 en droit. 2 en vert. Et on va mettre un petit séparateur. Alors, 2 en droit. 12 en vert. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 en droit et de nouveau un séparateur. 2 en vert, 1 en droit. 2 en vert et on met un séparateur. Alors 2 en droit, 12 en vert, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 en droit, un séparateur, 2 en vert, 1 en droit, 2 en vert et les 5 en droit de votre bordure. Voilà. Ce rang-là correspondra à tous les rangs en vert du carré. Alors, rang numéro 1, 5 en droit. 2, 3, 4 et 5. 2 ensemble. Un jeté, un en vert. Un jeté, escapeo. 2 en vert. 8 en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 mailles ensemble à droite. Alors, on prend les 3 mailles dans ce sens-là. Un jeté, un en droit, un jeté. 2 en vert. 2 ensemble. Un jeté, un en vert. Un jeté, escapeo. 2 en vert. 8 en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 ensemble à droite, on prend dans la troisième maille et on pique dans les 3 mailles en même temps. Vous voyez, votre maille part à droite. Un jeté, un en droit, un jeté, 2 en vert. 2 ensemble. Un jeté, un en vert, un jeté, escapeo. Et les 5 mailles en droit de votre bordure. Et maintenant, vous allez faire le rang numéro 2,
comme le rang de préparation. Rang numéro 3, 5 maillons droits, 2, 3, 4, 5, alors 2 en droit. Dans la prochaine, on va faire une nappe. Alors, on pique une fois, une maille. On va faire 5 mailles en une. Hein. La un jeté, une deuxième maille, ça fait 3, un jeté, 4, je l'ai lâché, et une cinquième maille. Donc là, vous avez 2, 4, 5 mailles. Vous tournez votre travail. Vous tricotez ces 5 mailles à l'envers. Trois, quatre et cinq. On retourne de nouveau le travail. On tricote ces cinq mailles à l'endroit. Deux, trois, quatre et cinq. On retourne de nouveau le travail et on tricote les cinq mailles à l'envers. Une, deux, trois, 4 et 5. On va faire de ces 5 mailles, on va travailler les deux premières mailles ensemble. La maille suivante toute seule à l'endroit et les deux dernières mailles ensemble. Il vous reste donc 3 mailles sur l'aiguille. Vous tournez de nouveau votre travail et vous allez tricoter ces 3 mailles ensemble à l'envers. On passe l'aiguille dans les 3 mailles consécutives. Voilà. Une fois que votre travail sera retourné, vous mettez la maille restante sur votre aiguille de gauche, de droite, et vous aurez une nappe. 2 mailles en droit. Alors, vous serrez un petit peu vos 2 mailles là, de façon à bien resserrer votre nappe. On continue, 2 mailles envers, 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mailles ensemble à droite, on tricote les 3 mailles dans ce sens-là, 1 maille en droit, un jeté, un endroit, un jeté, un endroit et deux envers. Alors, deux mailles endroit, une nappe sur cinq mailles, donc on pique l'aiguille, on tire une maille, un jeté, une autre maille, un jeté et une dernière maille. Et là, on lâche tout. On va tricoter, on tourne le travail, on va tricoter ces 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. On retourne de nouveau le travail, on les tricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. On retourne le travail. Et on les tricote de nouveau à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne le travail. Cette fois-ci, on tricote les deux premières ensemble. La suivante à l'endroit. Et les deux dernières ensemble. On retourne de nouveau le travail. Et cette fois-ci, on les tricote les 3 mailles ensemble à l'envers. On retourne le travail et on met la maille qui reste sur l'aiguille de droite. Les deux suivantes à l'endroit, en serrant un peu de façon à bien former votre rond. Et on continue. 2 mailles envers. 6 mailles en droit, 3 mailles ensemble à droite,
tricote les trois mailles dans ce sens-là. Une maille en droit, un jeté, un endroit, un jeté, un endroit, et deux envers. Deux endroits. On fait une nappe sur cinq mailles. Alors on pique l'aiguille. Une maille, un jeté, une maille, un jeté et une dernière maille. On tourne le travail. On tricote ces cinq mailles à l'envers. Cinq. On retourne de nouveau le travail, on les tricote à l'endroit. Et 5. On retourne de nouveau le travail et on les tricote à l'envers. Cinq. On tourne de nouveau le travail et là on tricote les deux premières ensemble. La suivante à l'endroit. Et les deux dernières ensemble. On tourne de nouveau le travail et on tricote les trois dernières mailles qui restent à l'envers ensemble. On tourne le travail, on met la maille sur l'aiguille de droite, on serre un peu, on tricote les deux mailles suivantes à l'endroit en serrant un petit peu pour former votre nœud, pour que votre nœud soit bien belle, bien ronde. Et les cinq derniers mailles à l'endroit pour votre bordure. Voilà, vous avez déjà les trois premières nœuds sur votre aiguille. Vous voyez, en les serrant un peu, elles sont bien droites. Vous faites le rang numéro 4 comme le rang de préparation. Rang numéro 5. 5 mailles en droit. 2, 3, 4. 5, un jeté escapé haut, à l'envers, 2 ensemble, un jeté, 2 envers, 4 endroits, 3, 4, 3 ensemble, à l'endroit. 2 endroits, un jeté à l'endroit, un jeté 2 endroits et 2 envers, un jeté escapé haut, 1 envers. 2 ensemble, un jeté 2 envers, 4 endroits, 3 ensemble, 2 endroits, un jeté 1 endroit. Un jeté 2 endroits, 2 envers, un jeté escapé haut, 1 envers, 2 ensemble, un jeté et les 5 endroits de votre bordure. Rang numéro 6 comme le rang de préparation. Rang numéro 7, 5 mailles en droit, 2, 3, 4, 5. Alors, 2 en droit, 1 envers, 2 en droit, 2 envers, 2 en droit, 3 mailles ensemble à droite, 3 endroits,
un jeté un endroit, un jeté trois endroits, deux envers, deux endroits, un envers, deux endroits, deux envers, deux endroits, trois ensemble, trois endroits, un jeté un endroit, un jeté trois endroits, deux envers, deux endroits, un envers, deux endroits et les cinq endroits de votre bordure. Vous faites le rang numéro 8 comme le rang de préparation. Rang numéro 9, 5 mailles endroits. Deux ensemble, un jeté à l'envers, un jeté escapéo, deux envers, trois ensemble à l'endroit, quatre endroits, un jeté, un endroit, un jeté, quatre endroits, deux envers, deux ensemble, un jeté, un envers, un jeté, escapéo, deux envers, trois ensemble à l'endroit, quatre endroits, un jeté à l'endroit, un jeté quatre endroits, deux envers, deux ensemble, un jeté un envers, un jeté escapéo et les cinq endroits de votre bordure. Le rang numéro 10 comme le rang de préparation. Rang numéro 11, 5 mailles endroits, 2, 3, 4, 5. Alors, deux mailles endroit, une nappe sur cinq mailles, alors une, un jeté, on fait une deuxième maille, un jeté et la dernière maille. On tourne, on tricote les cinq mailles à l'envers. On tourne de nouveau. On tricote les 5 mailles à l'endroit. On retourne de nouveau. On tricote les 5 mailles à l'envers. On tourne de nouveau le travail. On tricote les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. La maille suivante à l'endroit. Et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. On tourne de nouveau le travail. Et là, on tricote les 3 dernières mailles ensemble à l'envers. On tourne de nouveau le travail. On met sur l'aiguille la maille qui reste, sur l'aiguille de droite. On tricote les 2 suivantes à l'endroit en serrant de façon à bien former
votre nappe. Deux mailles en verre. Un jeté, un endroit. Un jeté, trois mailles ensemble à gauche. Alors, on glisse une maille sur l'aiguille. On tricote les deux suivantes ensemble. Et on passe la maille glissée par-dessus la maille les mailles tricotées. Il faut que votre maille s'en aille sur la gauche. 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mailles envers. 2 mailles en droit. Une nappe sur 5 mailles. Alors, une maille, un jeté, une maille, un jeté et la dernière maille, et on lâche tout. On tourne le travail, on tricote les 5 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5. On tourne le travail, on tricote les 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5. On tourne le travail. On tricote les 5 mailles à l'envers. On tourne de nouveau le travail. On tricote les deux premières mailles ensemble. La maille suivante à l'endroit et les deux dernières mailles ensemble. On tourne le travail, on tricote les trois mailles restantes ensemble à l'envers. Alors, on remet la maille sur l'aiguille de droite, on tricote les deux suivantes à l'endroit en serrant un peu pour former votre nappe. On continue, deux mailles envers, un jeté, un endroit, un jeté, trois mailles ensemble à gauche. Alors on fait attention à son jeté, on glisse une maille, on tricote les deux suivantes à l'endroit, on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. 8 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, une nappe sur 5 mailles, alors on pique une fois, une maille, un jeté, une deuxième maille, un jeté, une troisième maille. On lâche tout, on tourne le travail, on tricote ces 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, on tourne le travail, on tricote les 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, on retourne le travail, on tricote de nouveau ces 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, on tourne le travail, on tricote les deux premières mailles ensemble, ensemble à l'endroit, la suivante à l'endroit et les deux dernières mailles ensemble à l'endroit. On tourne le travail et on tricote ensemble les trois dernières mailles à l'envers. Voilà. Il vous reste donc une maille que vous mettez sur votre aiguille de droite. Donc, deux mailles en droit pour continuer en serrant de façon à bien former votre nappe. Et les 5 mailles en droit de votre bordure. Rang numéro 12, comme le rang de préparation. Rang numéro 13, 5 mailles en droit. 2, 3, 4, 5, un jeté escapé haut,
un envers, deux ensemble, un jeté, deux envers, un endroit, un jeté, un endroit, un jeté, un endroit, trois mailles ensemble à gauche, alors on glisse une maille, on tricote les deux suivantes ensemble, on passe la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées. Six mailles en droit, une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux envers. Alors, un jeté, escapé haut. Un envers, deux ensemble, un jeté, deux envers, un endroit, un jeté, un endroit, un jeté, deux, un jeté, un endroit, un jeté, un endroit, trois ensemble à gauche, alors on glisse une maille, on tricote les deux suivantes ensemble, on passe la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées ensemble. 6 en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 envers. 1, 2. Un jeté escapé haut. Un envers. Deux ensemble, un jeté et les cinq endroits de votre bordure. Rang numéro 14, comme le rang de préparation. Rang numéro 15, 5 mailles en droit, 2, 3, 4, 5, 2 en droit, un envers, deux en droit, deux envers, deux en droit, un jeté, un endroit, un jeté, deux en droit, une diminution, trois mailles ensemble à gauche, alors on glisse une maille, on tricote les deux suivantes ensemble et on passe la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées ensemble, quatre mailles en droit. Deux mailles envers, deux mailles en droit, une maille envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, un jeté, un endroit, un jeté, deux endroits, trois mailles ensemble. À gauche, on glisse une maille, on tricote les deux suivantes ensemble, on passe la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées ensemble, 4 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, un envers, 2 endroits et 5 endroits de votre bordure. Le rang numéro 16, comme le rang de préparation. Rang numéro 17, 5 mailles en droit, 2, 3, 4, 5, 2 ensemble, un jeté, un envers, un jeté, escapé haut, 2 envers, 3 endroits, un jeté, un endroit, un jeté, 3 endroits, trois ensemble à gauche, alors on glisse une maille, on tricote les deux suivantes ensemble, on passe la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées ensemble, deux endroits et deux envers.
de ensemble, un jeté à l'envers, un jeté escapé haut, deux envers, trois en droit, un jeté à l'endroit, un jeté trois en droit, trois ensemble à gauche, alors on glisse une maille, on tricote les deux suivantes ensemble et on passe la maille glissée par-dessus les deux mailles ensemble. Deux en droit, deux envers, deux ensemble, un jeté à l'envers, un jeté escapé haut, et les cinq endroits de votre bordure. Rang numéro 18, comme le rang de préparation. Rang numéro 19, 5 mailles en droit, 2, 3, 4, 5, 2 en droit, une nope sur 5 mailles, alors on pique une fois, un jeté, deux mailles, un jeté et cinq mailles. 2, 4, 5. On tourne le travail, on tricote ces cinq mailles à l'envers. On tourne le travail, on tricote de nouveau les cinq mailles à l'endroit. On tourne le travail, on tricote les 5 mailles à l'envers. On tourne le travail, on tricote les 2 premières mailles ensemble à l'endroit, la suivante à l'endroit et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. On tourne le travail. On tricote les 3 mailles restantes à l'envers ensemble. On tourne de nouveau le travail. On met la maille qui reste sur l'aiguille de droite. On tricote les 2 suivantes à l'endroit en serrant un peu de façon à bien former votre nope. Et on continue. 2 mailles envers, 4 mailles en droit, 1 jeté à l'endroit, 1 jeté 4 endroits, 2, 3, 4, 3 mailles ensemble à gauche, alors on glisse une maille, on tricote les 2 suivantes ensemble, on passe la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. 2 mailles envers, 2 mailles en droit, une nope sur 5 mailles. Alors, une fois, un jeté, une maille, un jeté, une autre maille et on lâche tout. On tricote, on tourne le travail, on tricote ces 5 mailles à l'envers. On retourne le travail, on tricote les 5 mailles à l'endroit. On retourne le travail, on tricote ces 5 mailles à l'envers. On tourne de nouveau le travail et on tricote les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. La suivante à l'endroit et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. On tourne le travail et on tricote les 3 mailles restantes ensemble à l'envers. On tourne le travail, on met la maille qui reste sur l'aiguille de droite, on tricote les 2 prochaines mailles à l'endroit en serrant un peu le travail. Voilà.
On recommence. Deux mailles envers. Quatre mailles en droit. Un jeté, un endroit. Un jeté, quatre endroits. Trois ensemble à gauche. Alors on glisse une maille. On tricote les deux suivantes à l'endroit. On passe la maille glissée par-dessus les deux mailles tricotées ensemble. Deux mailles envers. Deux endroits. Une nappe sur cinq mailles. Une maille, un jeté, une maille, un jeté et une maille. Et on lâche tout. On tricote, on tourne le travail, on tricote les cinq mailles à l'envers. On tourne le travail, on tricote les cinq mailles à l'endroit. On retourne le travail, on tricote de nouveau les 5 mailles à l'envers. On tourne le travail, on tricote les deux premières mailles ensemble à l'endroit, la suivante à l'endroit et les deux dernières mailles ensemble à l'endroit. On tourne le travail, on tricote les 3 mailles restantes ensemble à l'envers. On tourne le travail, on met la maille qui reste sur l'aiguille de droite, les deux mailles suivantes à l'endroit en serrant un peu et les 5 mailles en droit de votre bordure. Rang numéro 20, comme le rang de préparation.